Je suis engagée sur une liste qui est présente parmi les quatre listes aujourd'hui. Ce que l'on peut déplorer, c'est en raison des circonstances actuelles et surtout un peu à cause de la psychose créée par les médias, le taux de participation a l'air d'être assez en baisse. On parle d'environ 6% sur l'ensemble du territoire. Sur le coronavirus, vous n'avez pas peur aujourd'hui ? Non, je n'ai pas peur de... Enfin, pas peur. Oui, comme tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que l'on côtoie quelqu'un qui est porteur sain, mais qui peut vous le transmettre ? Maintenant, en essayant de suivre les consignes qui nous sont données par le gouvernement et surtout par les autorités médicales, bon, c'est aussi un moyen de l'éviter. Donc il y a du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, on désinfecte des stylos qu'on prête aux gens pour signer s'ils n'ont pas le leur. Il y a des gants. Et après, à peu près toutes les demi-heures, on désinfecte le tableau pour voter. On est venu voter parce que des gens se sont battus pour le droit de vote. Donc c'est un devoir, voilà. Et comme à chaque fois. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui du Covid-19 ou... Ça vous préoccupe pas ? Pas spécialement, non. Vous êtes lavé les mains, vous avez... On s'est lavé les mains, on fait comme tout le monde, mais il n'y a rien d'inquiétant. Je m'appelle Julien, je suis venu voter parce que c'est important d'élire son maire. Ça n'empêche pas de venir pour autant ? Non, parce que je suis assez prudent, je pense. Je me lave les mains, je prends toutes les précautions. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui viennent pas aujourd'hui justement par peur ? Ils ont raison d'être prudents, je ne peux pas les blâmer. Mais est-ce que ça légitimise cette élection ? Ça aurait été bien de la repousser, je pense.